Bienvenue dans le channel vidéo del Cafardinho! Thank you very much! Surtout les Cafardiniens, parce que surtout qu'on aime les bzèses. Quoi? Non, j'aurais pas dû dire ça. Euh, ouais, il fait chaud en ce moment. Moi, j'ai très chaud. S'il y a un climatiseur qui veut me sponsoriser, je, je vends mon âme. Voilà, si quelqu'un veut venir à la maison poser une clim, on affiche son nom, tout ça, on fait, on fait un twerk dance et tout, je prends, parce que là, je suis en sueur. Donc. Euh, Fini euh, les marques gaming, les Red shadow légendes de merde et tout. On veut de la clim, bordel. On veut de la clim. Merci. Euh, on va revenir, nos amis, sur les beaux gosses. Vitality, qui sont un petit peu revenus en forme, qui nous ont fait un petit tournoi, j'ai envie de dire positif, qui ont fini quatrième des IEM, avec G2 également, qui ont fait le même résultat. Ce tournoi a vu euh, Gambit remporter les 100 000 dollars qu'il y avait à la clé, et Vitality et G2 ont, ont, ont remporté respectivement les deux équipes. 20 000 dollars chacune. Et c'est un bon petit cash price pour notre ami KyoCheat. qui a fait une belle prestation. Donc euh, on le félicite, ce petit amour de cheater. Après, enfin euh, avant ça, pardon, euh, passez par mon site, les gars, pour euh, acheter le Matos. Hein, et dans la description, le petit lien skin baron si tu veux t'acheter des skins, tu passes par mon lien, je touche des com. tac, et tout le monde kiffe. Merci beaucoup. Alors on va revenir sur le parcours de Vitality qui, je trouve, a été positif parce que vous allez voir qu'en phase de poule euh, ils ont été vraiment très bons. Ils battent d'abord euh, Complexity en match d'ouverture. Franchement, ils leur ont mis euh, une, petite, euh, une petite fessée. Voilà, 16 à 8, tranquillement. Derrière, ils enchaînent, ils enchaînent sur le match qualificatif pour les playoffs euh, contre Gambit, le numéro 1 mondial. Et là, pour le coup, c'est un gros match. Et, euh, et là, ils les ont vraiment, j'ai envie de dire, maîtrisés, dominés. 2 à 0, 16-13, 16-8. Kiotit, euh, justement, a été vraiment très bon en plus à ce moment-là. Par contre, par contre, ZywOo, Très fragile. On va voir, euh, on va voir ça un petit peu plus tard et vous allez un peu comprendre. Donc derrière, on va en phase finale euh, assurée. Donc on est directement qualifié pour les quarts de finale, mais on a un match bonus et si on le remporte, on passe en finale, euh, on passe en demi finale directement. Oh là là, je, je perds un petit peu euh, le fil de ce que je suis en train de dire, mais vous avez compris un peu ce que je veux dire. Et ce match bonus, et il était contre G2, le bon petit classico, et euh, bah on s'est fait, euh, fait, balayer, 2 à 0, 16-14, 16-10. Je trouvais qu'il y avait une meilleure maîtrise de la part de G2 pour le coup. Euh, et puis il y a quand même des Frenchies dans ce derby, donc ça fait plaisir que G2 aussi soit en forme. Mais je vais pas m'attarder sur leurs résultats euh, comparés à celui de Vitality. Derrière pour les phases finales, euh, pour ceux qui les ont suivis, donc voilà, on est en quart de finale et on va jouer le match contre Virtus. pro qui. Eux aussi sont quand même une équipe qui est dans le top 5 mondial depuis quand même un petit moment, dans le top 10 mondial et qui sont plus ou moins stables et réguliers. Et on les balaye également 2 à 0 avec toujours. Toujours Ziwu, très fragile. Vous allez le voir euh, dans quelques secondes. Je vais vous montrer les statistiques. On va parler un peu des, des prestations de Ziwu. Je pense qu'il y a une petite anomalie. Je n'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme, mais, mais quand même, on va s'attarder là-dessus un petit peu. Derrière, j'ai envie de dire match de la demi-finale de l'événement. Donc potentiellement, on peut aller en finale et donc remporter un titre qui aurait fait extrêmement plaisir euh, à tous nous, fans français euh, que nous sommes. Et c'est contre OG en plus. Et donc OG, euh, ils font euh, de très mauvaises prestations, euh, voire même, euh, enfin, même pas très mauvaises, c'est vraiment euh, complètement dégueulasse, bien plus mauvaise que ce que propose Vitality depuis le début d'année. Et euh, on s'est fait, euh, fait un petit peu maîtriser. Voilà, donc la première carte a été remportée par OG sur 2-2. Deux deux. Euh, 19-17, donc clairement ça aurait pu aller dans les deux sens, et c'est dommage qu'on n'ait pas, euh, qu pas clos cette map, euh, j'ai envie de dire. Euh, derrière, on enchaîne sur Mirage qui est remporté par les Français 16-9, et la dernière carte, Overpass, euh, voilà que j'ai streamé en plus sur Discord pour, le, pour les vrais fidèles qui sont là, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. En général, je stream tous les matchs des Français sur CS. Euh, ensemble, en live, en analyse et tout, on kiffe. Et là, pour le coup, Overpass, c'était vraiment euh, pas ouf, et surtout un, un zibou mais totalement muet, voilà, muet, inexpressif. Euh euh, pas en confiance, j'ai vu même le sniper lui, pas lui être retiré parce qu'il lui a pas été retiré, mais quand on avait l'argent pour l'acheter, c'était carrément Shox qui jouait à la WAP et pas Ziwo. Donc, très certainement que voilà, peut-être que Shox voulait prendre ses responsabilités, en, dire vas-y, t'inquiète, frérot, t'es chaud au rythme, moi je te, je, te, je te soutiens à la WAP et tout, je te bait en tout cas, enfin, viens te cacher dans le corner, moi je garde ta ligne, comme ça ils seront focus sur moi, toi tu vas te. Enfin, vous comprenez un petit peu le principe. Et derrière, bah, on a été battu par OG et nous n'accédons pas à la finale, donc nous finissons. Euh, top 4 euh, de top 3-4 ex avec G2 euh, également qui s'est fait battre par Gambit et là pour le coup euh, ils se sont fait euh, vraiment un peu soulever et on finit donc top 4 qui est un bon résultat euh, je pense les phases de poule ont été très correctes il y a eu de très belles prestations de la part des Français ça fait plaisir parce que c'est un peu le réveil, c'est un petit peu, voilà, maintenant la mise en forme, j'ai envie de dire, la petite routine qui s'est installée, la mise en confiance également de, de Kyojin, Mizuta, etc. Parce qu'on trouve que là, il y a un meilleur rythme, il y a des meilleurs binômes et tout, parce que là, les deux ont été séparés, pour le coup. Et je trouve qu'il y a un meilleur équilibre avec euh, Shox qui, qui, qui gère un mec et Apex qui, qui gère l'autre. Mais par contre, bah, Zibou, euh, un petit peu, euh, comment dire... Un petit peu fragile, voilà un petit peu fragile. Donc, je vais aller regarder un petit peu toutes les stats maintenant de Ziwu, si vous me le permettez. Donc, là, je suis sur les stats de Ziwu, et, et comme on peut voir, enfin, il a fini euh, pas totalement négatif de toutes les cartes, mais il y a plusieurs cartes où, où il a été négatif, et surtout, et surtout en fait, il est, il est dans un average, même quand il est positif statistiquement, je l'ai trouvé pas impactant comme il l'était avant. Un, un joueur lambda, ouais, un joueur lambda. Alors, ouais, peut-être qu'il y a un coup de méforme et tout, mais là, ça commence à durer en fait, parce que même quand il y avait RPK en début d'année, et, euh, et il avait des prestations irrégulières. Alors peut-être que voilà, on, on en fait tout un plat, mais c'est comme quand un Kylian Mbappé, euh, il ne met pas 10 buts par match, on est, on est mécontent. Peut-être qu'on est trop exigeant envers lui, parce qu'on attend de lui que ce soit une superstar, on attend de lui que ce soit un surhomme, et donc qu'il fasse des, des prouesses à chaque round. Et, et, et clairement, ça fait un petit moment qu'on n'a plus le zibou, euh, le, le prodige, le cheater. Quoi. Moi, je veux zibou, cheater. Alors peut-être que je suis trop exigeant et tout, on va le laisser souffler, je ne lui mets pas la pression et tout, mais je ne sais pas, vous, le ressenti que vous avez eu, est-ce que vous, euh, vous attendez autant que moi Est-ce que vous aussi, vous avez l'œil sur les matchs des Français ces derniers temps et vous voyez que le petit Ziwu, il a du mal à s'exprimer, beaucoup, euh, beaucoup moins que d'habitude en tout cas. Euh, et pour le coup, bah voilà, je ne l'ai pas trouvé euh, flamboyant. Et quand je regarde les stats en plus, elles me font mentir parce qu'il a quand même des bonnes stats. Il n'y a que deux matchs où, où il finit négatif. Euh, sur les 6 joués, donc ça veut dire euh, un tiers. C'est pas, c'est pas, ça va, c'est ok, c'est ok en réalité là quand je vois sur les stats. Mais même quand il est positif, en fait, je ne pas trouvé. Euh, euh, voilà, je l'ai pas trouvé prodigieux. C'est vraiment le mot que je vais employer. Je l'ai pas trouvé exceptionnel et, euh, et ça me fait peur en fait parce que j'ai l'impression que on, on compte de moins en moins sur lui, peut-être sur le jeu, parce que lui manque de confiance et tout et et, 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 et je ne sais pas, voilà. Et donc félicitations tout de même à quand même Gambit qui, qui s'affirme un petit peu là sur la scène. Ils font de grosses prestations qui sont très très forts. Je rajoute également que euh, les plus grosses euh, audiences de cet événement ont été réalisées avec Vitality, ce qui prouve quand même que Vitality est une équipe qui euh, qui fédère encore une fois beaucoup de, de viewers, beaucoup de fanbase, même si je pense qu'elle est internationale. Et, et, et que très peu de la communauté française suit CSGO euh, depuis quand même plusieurs mois maintenant. Euh, mais ça reste quand même l'équipe qui a été le plus regardée. C'est aussi pour moi, j'ai envie de dire, si vous pouvez me le permettre, que euh, même si Gambit est l'équipe numéro un mondiale, même si Gambit gagne euh, la finale, encore une fois, Gambit n'est pas une équipe qui fédère de la fanbase. Pas des fans absolus en mode. Chiro, pète-moi le cul, ton sniper est incroyable. Voilà, on n'en est pas là. On n'en est pas là quand on regarde du, du Gambit. On n'est pas là encore une fois à, à crier et à se mettre dans tous nos états. Euh, même s'ils sont russes et que la grosse fanbase euh, qu'il y a euh, de russes sur Counter-Strike, quand même euh, gros, très populaire dans ces régions-là, euh, je, trouve, je trouve quand même que ce n'est pas une équipe encore qui va fédérer comme un simple peut, peut le faire, comme un électronique peut le faire pour Navi. Et donc... Euh, il y a un manque, il y a un petit manque de, de encore une fois, de, 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 de show, de spectacle sur CS, parce qu'on voit que les, les, les audiences dépendent encore une fois des grosses stars comme peuvent l'être Shox, ZywOo, Apex, euh, RPK quand il était là et tout. Et, et ça triste. voilà, ça triste et ça, ça m'alarme également. Voilà, c'est mon petit débrief de, de ces IEM, les gars. En tout cas, belle prestation de, de Vitality. Dans l'ensemble, vraiment, c'était super, super correct. Je trouve que. Top 4 sur un gros événement comme ça, en battant du, du gambit et tout, c'est euh, vraiment très propre, très encourageant. Félicitations à tous les joueurs. Je rajoute que le MVP du tournoi, donc le meilleur joueur du tournoi, euh, c'est Axil, encore une fois, parce que c'est le deuxième MVP maintenant qui, qui rafle, j'ai envie de dire. Alors, avant, on avait l'habitude que tous les tournois, c'était soit Simple, soit vous soit Simple, soit vous Et ça, depuis quand même deux ans. Et de temps en temps, tu avais un mec de chez Astralis qui en chipait un ou deux. Hein, que ce soit Magic ou Device. Et là, pour le coup, euh, on a quand même euh, voilà, la fin d'un cycle et, 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 et le relancement euh, d'une de, de, nouvelle génération avec Axil qui est extrêmement fort et Gambit euh, également. Donc, félicitations à lui individuellement. Il a fait encore une fois des grosses performances et il s'affirme, il confirme qu'il est euh, un très bon joueur. L'Intel Grand Slam, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une récompense mise en place par les Intel Extreme Masters, les IEM, de, de choper un million de dollars si vous cumulez le plus de tournois majeurs remportés sur le circuit ESL. Je m'exprime. Si vous remportez le SL One Cologne, le SL 1 Katowice, euh, la Dreamhack Master là-bas, etc., si vous en remportez le plus, si vous en remportez euh, voilà, 4, 5, 6, ben vous avez un bonus de 1 million de dollars. Il faut faut pas c'est que cet argent et cette récompense a, a déjà été attribué par le passé à, à Astralis notamment et que là pour le coup c'est Gambit, voilà les, 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 les numéros 1 pour le moment, parce qu'ils ont gagné 2 euh, deux, 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 deux gros tournois, et ils ont encore 6 potentiels euh, tournois, s'ils finissent top 1 pour emporter le million, avec Navi également qui, qui peut l'être, mais on sent Navi un petit peu plus fragile, Astralis également, donc peut-être que Gambit va se mettre un million dans la poche, ce serait quand même... La vie de rêve pour ces joueurs qui sont venus quand même du T3 avec des salaires quand même très bas. Je le rappelle, Gambit Youngster, etc. C'était vraiment très bas comme salaire. Peut-être que là maintenant ils ont renégocié à quelques milliers d'euros, mais ça reste la scène russe. Je suppose que ce c'est pas des superstars comme peuvent l'être des Shox, des Iwou, etc. Et être payés vraiment des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois. Donc pour le coup, je pense que ce serait une belle récompense pour eux parce qu'ils le méritent. Ça fait quand même plusieurs mois qu'ils sont très 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 réguliers. Les blasts qui commencent. Voilà, fin des IEM. Et là maintenant, les blasts qui commencent avec des équipes différentes et c'est pour ça que ce, je vous parle également de cette actualité parce que là je suis un peu hypé, pas hypé euh, de dingue de dingue de dingue mais quand même il y a du truc très intéressant à voir, il y a encore Gambit par contre qui sont euh, engagés dans le tournoi il y a Evil Geniuses qui sont engagés dans le tournoi ça fait un moment qu'on les a pas vus donc encore une fois ça va être le tournoi un petit peu d'épreuve, de, euh, de, voilà il va falloir prouver un petit peu que euh, vous êtes là dans le T1, que vous êtes euh, respecté pour votre réputation, on a NIP qui vient avec son nouveau joueur. Je rappelle que la semaine dernière, j'en ai parlé dans mon actu. Euh, ils ont changé un joueur avec également euh, Device, etc. La bonne forme un petit peu de cette équipe suédoise. Complexity qui est très moyen. Donc pour le coup, j'attends pas grand chose de cette équipe. On a encore G2 qui participe, qui a fait un bon tournoi aux IEM, qui a fini quatrième. Euh, je, 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 je le répète. Big, voilà Big. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que eux, c'est un coup c'est bien, un coup c'est moins bien, un coup c'est bien, un coup c'est moins bien. Donc encore une fois, ils doivent prouver encore une fois qu'ils sont là. Navi, on n'a pas vu depuis quelques semaines, qui a pris du temps pour se préparer. Euh, donc, à voir ce que ça va donner. Euh, nos amis de chez Navi et FaZe aussi, avec euh, depuis le, le kick de colzera le départ kick, euh, petit entourloupe que les médias nous ont fait dessus. Parce que moi, je pense qu'il y a eu des petites embrouilles, parce que le retour, hein, c'est Olof. Hein, bizarrement il y a Olof qui revient comme par hasard alors que Karigan s'entendait très très bien avec Olof donc je me doute que euh, ça doit être une divergence d'opinion, d'ambiance, une histoire de, de vraiment d'affinité, de feeling euh, du respect aussi du leader in game et donc je sais que voilà, Reign, Olof c'est des mecs qui sont très très proches de Karigan, que on sait que l'alchimie est là avec ces mecs et, et moi ça me va très bien parce que Olof c'est un support incroyable euh, dans le jeu vidéo euh, CSGO depuis euh, des années maintenant. C'est quelqu'un qui sait se mettre en retrait pour faire briller les gens. Hein, alors que je rappelle, c'était un star player avant. Donc, moi, cette équipe FaZe avec Karrigan et le retour d'Olof, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. À voir ce que ça va donner. Je rappelle que ce tournoi va, va se voir partager 425 000 dollars. C'est pas de la merde, les gars. On est sur un gros tournoi. Donc, il y a du gros enjeu. J'espère qu'on va avoir du spectacle. Surtout du G2. Parce qu'il y a les Frenchies, on est ensemble. Et FaZe, parce que le cœur, il est là. Rapidement, rapidement on va voir un petit peu le classement mondial. Gambit qui bouge pas parce qu'ils viennent de gagner les UM, c'est totalement normal, j'ai envie de dire. Navi qui bouge pas de la deuxième place, encore une fois logique parce que bah, Heroic n'a pas joué, etc. G2 a fini quatrième, donc ils n'ont pas gagné assez de points pour ga gagner un peu des places. On a Virtus Pro qui revient dans le top 5, largement mérité, euh, je le rappelle. Et Vitality qui a grappillé un petit peu des places parce que je trouve, euh, pour le coup, c'était euh, suffisant. Voilà, ils nous ont montré des belles prestations. Ils se sont remobilisés, ils ont rebossé. On sent que euh, le jeu qui met en place sur le long terme, je le répète, parce que ça va être la fin d'un cycle, hein, les chocs, les apex, les RPK, etc. On vient à ça petit à petit. On est en train de former des petits jeunes. Kyochit, euh, Mizu, Mizuta, euh, Ziwu, Clé USB. On est ensemble. Donc euh, là, pour le coup, on, on re-rentre dans le top 8 côté, côté Vitality. Ça fait plaisir. Et, euh, et G2 qui est toujours un très très solide top 4. Donc vive la France. Le retour d'une fucking légende. Guardian, les gars, le sniper. Oui, vous devez connaître Guardian. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous êtes des gros noobs. Kenny S, t'as déjà entendu parler Oui, Guardian, t'as déjà entendu parler, c'est obligé. Et DW aussi. C'est les trois, on va dire, gros, gros, gros snipers, je trouve, de la décennie Counter-Strike. Et donc, Guardian qui vient dans une petite équipe, dans une petite équipe Trident CIS sur la russe. Euh, donc un plaisir voilà un plaisir peut-être pas qui joue pour l'argent peut-être que c'est un petit chèque un petit truc par mois pour se remettre en shape et tout faut pas oublier qu'il est papa désormais qui s'était écarté pour s'occuper un peu de sa vie de famille et donc moi ça me fait plaisir parce que je suis nostalgique voilà je trouve que c'est quand même quelqu'un qui peut apporter à la scène russe voilà, imaginez un Smith, imaginez un Kyoshima, des mecs comme ça qui, qui prennent un petit peu sous, le, sous, sous leur aile des petits jeunes, comme NBK l'a fait avec Double Poney, et, et un peu les faire monter et tout. Donc là, moi, je vois un petit peu ce message, je vois un petit peu cette vision côté Guardian. Ça me fait très plaisir, grand joueur, gros sniper, un homme qui a jamais eu de soucis, vraiment, j'adore. Vive, vive Guardian le cheat, le cheat, la triche, la triche, nique ta mère, nique ta mère, non non Comme d'habitude, on est là, fais péter le petit like, Woo le retour des freestyles. Pour les vrais qui savent, tu le sais, on est là comme d'habitude et on va parler de triche parce que sur CS:GO, t'as déjà vu CS:GO sans triche, incroyable. La semaine dernière, si vous avez vu ma vidéo sur nos magnifiques euh, Akuma qui ont affronté Na'Vi, et donc Simple qui les avait accusés de cheat, suspectés de cheat, qui ils étaient sous investigation depuis un moment et donc là on a le SIC, donc c'est l'association un peu à la fédération, la police, la police de Counter Strike, qui euh, qui qui qui, qui, qui confirme voilà, qu'il y a une investigation et que... Il y a des bêtes, voilà. Il y a des bêtes qui se sont fait un petit peu douteux. Voilà, un petit 10 000 balles comme ça sur le match, hum, c'est bizarre. Un petit 15 000 balles là-bas sur le match, hum, c'est bizarre. Donc, on a clairement du match fixing. Très certainement qu'ils ont triché et qu'ils l'ont fait entre guillemets pour parier sur eux parce qu'ils avaient des cotes totalement euh, démesurées. Ils avaient des cotes à 7, 8, 9 parce qu'ils affrontaient Navi, ils affrontaient Gambit, ils affrontaient, ils affrontaient Virtus Pro. Donc, à savoir maintenant si les équipes en face étaient au courant ou alors si c'est juste Akuma qui a parié sur elle-même. Même euh, parce qu'ils avaient des codes très 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 très, très juteuses et qu'ils ont cheaté pendant le match pour faire du match fixing. Dans tous les cas, eux, je peux vous assurer que leur carrière, elle est finie. J'espère qu'il n'y aura pas la police derrière eux, parce que là, clairement, normalement, c'est peine de prison et j'en passe. Faire de la prison en Russie, je sais pas. Mais si les mecs se dégagent, bah, ils auront réussi leur coup parce qu'ils auront pu mettre beaucoup d'argent de côté, j'espère. Mais en tout cas, ils viennent de tirer un trait définitif sur leur carrière parce que là, il va y avoir des décisions, je pense, très drastiques là-dessus. Et euh, bah, ça me fait peur. Voilà, ça, ça me casse les couilles, ça me fait peur, ça me fait chier, ça me saoule. Euh, je suis désemparé de voir toutes les semaines, après semaine, après semaine, après mois, toujours des histoires de match fixing, de cheat, de bug, de... de de, 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 c'est incroyable c'est incroyable on peut pas avoir un match un kiff et tout parce que bon, en plus je donne des pronos et, euh, et je sens à chaque fois que ça pue certains matchs et tout euh, je pense qu'il y a des amoureux aussi de, 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 des, des paris qui kiffent CSGO qui kiffent League of Legends qui kiffent même d'autres jeux et qui parient un petit peu sur l'esport et, et, et te dire que tu paries sur des jeux où entre guillemets il n'y a pas de, 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 de fair play ou en tout cas personne ne, ne joue sur un pied d'égalité en mode il joue pour la gagne c'est pas fou, fou quoi, c'est vraiment pas foufou. Fou. Donc, vraiment triste encore une fois cette nouvelle. Je pense qu'il va y avoir vraiment des grosses sanctions. Je rappelle que pour les Australiens qui ont été bannés, etc., ils sont sous investigation du FBI. Hein. Si vous avez suivi euh, mes vidéos actuelles, vous savez de quoi je parle. Euh, mais parce que la, la justice américaine, euh, on parlait de joueurs canadiens, on parlait de joueurs américains et tout, ils voulaient faire des extraditions et tout le bordel. Là, on parle de Russie. Est-ce que pour eux là-bas, bon, je sais que c'est pas légal, mais est-ce que pour eux là-bas, tu peux t'en tirer, euh, entre guillemets, juste en étant ban du circuit Counter-Strike Et donc derrière, bah, tu peux aller sur Valorant, tu peux aller sur Overwatch, tu peux aller sur Fortnite, tu peux te faire un peu ta vie, quoi. Donc euh, voilà, un peu dégoûté, un peu déçu, comme d'habitude. Beaucoup de, de frustration, beaucoup de colère dans mon message, mais j'espère que vous avez quand même aimé euh, ma chronique. On se pose peu de questions côté à vue, les Finlandais, c'est une équipe que je trouve qui est dans le tier 3, qui fait des bons petits résultats. Et, euh, et a vu pour le coup, euh, c'est une équipe que j'apprécie. Voilà, donc c'est Aerial, X7, Zoré, etc. C'est donc les anciens, euh, pardon, s Et ils ont décidé de bench Jamie, de ne pas renouveler son contrat et tout. Donc ils vont le bencher jusqu'à la, euh, jusqu la fin de, 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 de son contrat. Parce qu'il euh, bah est mauvais, voilà, tout simplement. Donc pas de résultat et tout. Donc j'ai bien aimé hein, le statement, au moins entre guillemets, sincère de leur part. Ils ont, ils ont dit, voilà, manque de résultats, euh, euh, rating un petit peu bas, euh, très certainement un mauvais rendement. Voilà, on attend des choses d'un de, joueur et, 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 et il ne les réalise pas, donc on met ça sur le côté. Donc pour le coup, euh, j'aime beaucoup, donc très certainement qu'il va y avoir du mouvement, parce que là, ils jouent avec un sixième joueur, coach, on ne sait pas avec qui ils jouent, euh, Disturbed, à, euh, à voir comment ça va se passer. Mais pour le coup, très certainement qu'il va y avoir du renforcement euh, chez eux et euh, c'est une équipe qui peut vite monter en puissance et devenir entre guillemets l'équipe numéro 1 en Finlande donc euh, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner de ce côté là mais c'était un petit peu une chronique pour vous montrer que euh, voilà euh, on n'est pas en France partout, hein, avec euh, l'hypocrisie, le politiquement correct, avec des, des statements un petit peu vaseux, tu vois, plein de brouillards, plein de trucs qui veulent dire des choses qui veulent rien dire. Moi, j'aime bien la transparence et dire, ben voilà, ce joueur-là, il underperforme. On, 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 on va le mettre un petit peu sur le côté. Euh, Peut-être que ça va lui euh, réouvrir euh, les esprits et qu'on pourra le retester, et voir un petit peu, ou alors on le dégage tout court. J'aime beaucoup moi ça et, euh, et donc j'apprécie. Donc euh, vive, vive la sincérité. Durant les VCT sur Valorant, et là on va voir que clairement CSGO VS euh, Valorant, donc euh, Riot VS Valve, ça n'a strictement rien à voir. Et je pense que ça va plaire à certains et que ça va déplaire à d'autres. Euh, mais moi pour le coup, je suis du... Je suis entre les deux. Je vais vous exprimer mon sentiment. Vous allez voir tout de suite de quoi je parle. z6 donc le joueur, euh, ancien joueur euh, de CS qui était chez... Cloud9 notamment a été sanctionné et, euh, et mis entre guillemets aux arrêts temporairement. Voilà, il est suspendu quelque temps de la part de Riot parce qu'il a été euh, irrespectueux envers les admins. Voilà, de Riot et de Valorant. Voilà, il a été irrespectueux, donc euh, il n'a pas l'autorisation de jouer les qualifieurs des prochains majors. Donc pendant, on va dire trois mois, il pourra pas euh, jouer avec son équipe. Ou alors ils pourront jouer avec, mais ils feront le choix de ne pas jouer le major. Donc c'est une grosse sanction, euh, surtout qu'il joue chez, chez, chez V1. Donc il a un salaire et tout. Peut-être qu peut, euh, peut que la structure peut le pénaliser, lui mettre une amende, parce qu'il donne une mauvaise image de, de, du, du club, de, de lui-même, de son équipe. Et que ça va empêcher, entre guillemets, le club également de participer à, aux prochains événements majeurs à cause de son comportement. Ou alors peut-être qu'ils vont juste. Euh, lui le disqualifier, ou alors peut-être que c'est toute l'équipe qui va en pâtir. En tout cas, vous avez compris un petit peu que Riot ne rigole pas, alors que Valve, il laisse tout passer, ils en ont rien à foutre. C'est ahurissant. Donc euh, il y a deux écoles. Il y a des gens qui, euh, qui vont dire oh, on s'en fiche, hein, trash talk un admin, etc., etc. Je pense quand même qu'il y a du respect un peu partout, hein, que ce soit dans le foot, que ce soit dans le tennis. Les gens, voilà, ça peut arriver un petit peu de, de mal parler à un admin suite à une décision un petit peu que tu trouves injuste. Et pour le coup, sanctionner comme ça, je pense que c'est juste des messages qui veulent faire passer aujourd'hui, parce que, euh, il me semble qu'il lui a juste dit, euh, voilà, selon les leaks un petit peu et tout, genre en mode, t'es un gros débile, t'es un attardé, tu, tu, tu prends des, des décisions de, de con. Voilà, tant qu'il n'y a pas d'insulte, d'irrespect, de racisme ou des trucs comme ça, je trouve que la sanction, elle est lourde. Mais le message, par contre, il est bien. Bon vous avez compris, j'espère que ça vous fait kiffer cette petite chronique, dites-moi un petit peu vous votre ressenti sur, euh, sur, sur ce que vous pensez, Voilà, si, si Riot fait bien d'appliquer, je pense que oui, que moi, même moi je suis totalement positif là-dessus, mais je trouve que la sanction est lourde vis-à-vis -vis du comportement qu'il a eu, quoi. il n'a pas déconné, après voilà, ils ont juste banné d'un seul VCT, quoi. mais le message est là, le message est clair. On rigole pas avec Riot. Daps, joueur que vous connaissez tous, qui est énergé à l'heure actuelle euh, sur Valorant et qui a joué dans des dizaines de structures américaines. Donc, euh, je, je ne peux même pas toutes les citer. Mais voilà un, un joueur quand même qui est sur la scène américaine depuis très longtemps. Il décide de, euh, de se retirer voilà de son équipe compétitive sur Valorant et de prendre euh, sa retraite. Peut-être qu'il sent qu'il n'a plus euh, voilà, le potentiel ou quoi que ce soit. Il préfère partir avec les honneurs comme ça. J'aime beaucoup. Je pense que c'était un gars qui était quand même très bon. Moi, c'était quelqu'un que, 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 que j'appréciais quand il jouait euh, chez, euh, chez EG, je crois. Hein. C'était chez EG euh, que j'aimais bien le voir jouer, moi, personnellement, sur CS. Et pour le coup, bah, bah, bon voyage, monsieur. Tu nous as fait kiffer quand même. Je me rappelle qu'il nous avait fait des bons petits matchs, euh, notre ami. Et euh, voilà, s'il y a des gens qui suivent beaucoup la scène NA. Euh, normalement bah voilà on peut dire euh, au revoir à ce grand monsieur de CS une mauvaise nouvelle pourquoi parce qu'on perd un joueur français au plus haut niveau de Valorant voilà pourquoi c'est une mauvaise nouvelle et peut-être que c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'il pourra rebondir XMS qui euh, ne reste pas chez Alliance. Alors très certainement, un accord, on va dire, je pense commun, parce qu'il était en renégociation de contrat avec eux, il lui avait mis une période de test chez Alliance, donc il était payé un, deux mois avec eux, et à l'issue de ces deux mois, il devait, entre guillemets, signer un contrat sur le plus long terme. Et donc, on avait une base de trois joueurs français dans ce roster. Et donc, là, on perd XMS, euh, qui est remplacé par le polonais euh, Badidji. Voilà. Donc, c'est un monsieur qui était sur CS, qui joue en FPL, qui était extrêmement toxique. Voilà, je peux vous le dire. Et qui a décidé de changer de pseudo sur, euh, sur Valorant. Voilà, sur CS, il s'appelait Camille. Mais moi, je n'oublie pas, parce que j'étais en FPLC et il disait des trucs de ouf. Voilà. Et notamment sur. Ma gueule, vous avez tous compris de quoi je parlais. XMS va avoir désormais des opportunités, peut-être rejoindre du Vitality, peut-être rejoindre une, un autre club aussi en France, BDS ou quoi que ce soit, parce que je pense que BDS sur le long terme va forcément faire un changement, je pense. Euh, donc, à voir ce que ça donne, euh, les amis. Mais je trouve que c'est une mauvaise nouvelle parce que j'aurais bien aimé garder XMS chez Alliance, avoir quand même du Vitality avec du français, toujours du BDS avec du français, etc. Mais n'oublions pas que chez Alliance, il y a quand même Firot et Cadavra euh, qui nous représentent. Donc, force à vous. Encore un kick Et là, c'est Draken, grand joueur suédois, ou en tout cas. Euh, sur côté, voilà, sur côté, grand joueur sur côté. Je sais pas ce que vous voulez en faire, mais en tout cas, un joueur suédois qui a une réputation, euh, j'ai envie de dire, de, de très très bon joueur et qui a jamais confirmé que ce soit sur CS, etc. Qu'a joué chez Epsilon. Euh, je le connais de là-bas, moi personnellement. Après, il a été chez euh, chez Nip, chez Gamer Legion, chez Fnatic. Enfin, il a joué avec tous les joueurs suédois de la scène. Il est là depuis. Pas Mal d'années, c'est un très bon sniper, gros potentiel, mais je sais pas, il a jamais confirmé et tout. Il a switché sur, euh, sur Valorant avec Guild Esports qui est euh, full lineup, enfin avec pas mal de Suédois en tout cas. Euh, leur coach est Suédois, Yacine est Suédois, Safe est Suédois, il me semble. Euh, donc il euh, y avait une base vraiment de, de beaucoup de joueurs suédois et donc là il est quitté. Donc euh, juste un message de re remerciement de la part de la structure. On ne connaît pas les raisons, si c'est personnel, si c'est lui qui se retire, si c'est manque de résultats ou pas. On n'en sait rien pour le coup. Mais je suis un peu déçu. Voilà, encore une fois, euh, Draken, pour moi, c'était quelqu'un, euh, je trouve, de surcoté, mais qui avait quand même du potentiel, faut pas négliger ça. Et euh, qui n'a jamais réussi un petit peu à s'installer, à prouver et, 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 et à mettre son nom euh, au plus haut de la scène, que ce soit sur CS ou sur Valorant. Les amis, encore une petite entourloupe et là vous allez voir encore une fois que Riot ne rigole pas comme, euh, comme peut, euh, entre guillemets, euh, cloniser Valve. Voilà, vous allez voir que c'est deux mondes et c'est deux euh, vraiment écoles totalement différentes. Heretics et G2 se sont échangés pas mal de joueurs et Heretics a décidé également de faire le grand ménage. Voilà, ils ont, euh, ils ont essayé de kicker tel joueur, de kicker Rubinho, de kicker l'autre, Nuki, etc. Et donc, pour garder, entre guillemets, les slots, euh, les, 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 les points que tu as engendrés dans les qualifieurs VCT, dans les résultats que tu as fait compétitivement, il faut garder une base de trois joueurs. Euh, chez Heretic, cette base de trois joueurs n'est plus là. Ils ont essayé de se renforcer à fond parce qu'ils ont vendu des joueurs à G2. Et donc, avec cet argent, ils ont voulu recruter des joueurs un petit peu plus qualitatifs. Et pour le coup... Eh bien, Riot est venu, il leur a mis une petite claque comme ça derrière la nuque, il leur a dit, les gars, on annule vos points que vous avez gagnés, parce que là, vous gardez un, voire deux joueurs de l'ancienne line-up, et vu que bah, maintenant, vous êtes tout nouveau, tout propre, tout neuf, bah, vous allez recommencer de zéro. Et euh, quand vous serez dans ces euh, dispositions-là, soit vous recommencez de zéro, euh, soit euh, si vous, vous tous vous, vous dispatchez, c'est potentiellement la structure qui garde les, les points. Et là, ça change totalement tout. C'est-à-dire qu'avant, sur CSGO, euh, les structures, les sponsors, euh, les organisateurs de tournois étaient dépendants des joueurs. Sur CSGO, tu pouvais créer une line-up avec euh, Shock, SNBK, RPK, Kenny et EZW, ou Scream ou Existence, voilà, tu as compris, tu fais une équipe de superstars, et tu étais automatiquement invité parce qu'on savait que tu allais rapporter du viewership, etc., etc., etc. Et si tu avais cette équipe de 5 joueurs qui performait, qui avait des slots en ESL Pro League et tout, bah du jour au lendemain, si elle était en embrouille avec un club, parce que euh, c'est comme ça qu'est venue l'inflation et l'explosion de la bulle euh, des salaires euh, sur, sur l'eSport, sur CS. C'est-à-dire que les, les, les joueurs avaient le monopole Quand tu étais chez G2, chez NVUS, que tu dis « Non, moi, vous m'augmentez, c'est 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois. » Et que le club, il dit ah, « C'est bon, là. Là, là c'est bon. n'est pas ta vache à lait. Merci, au revoir. » Ben le mec, il dit quoi Ben oui, ben merci, au revoir. Bonjour, monsieur, il n'y a pas quelqu'un qui voudrait nous recruter Et là, tu as un nouveau club qui veut rentrer dans l'e-sport. Et donc, boum, eux, ils ralassent. Un club, un club chinois, un club américain, un club... Voilà, peu importe, mais vous avez compris. Et donc là, ça change totalement cette donne parce que sur Valorant, ce ne sera pas possible. Tu peux être qui tu veux. Si tu euh, gardes un, un, entre guillemets, un corps de trois joueurs, mais que tu commences à faire des trucs comme ça, c'est possible que Riot prenne la décision de garder le slot, de laisser le slot au club et pas forcément aux joueurs. Et ça, ça me fait peur parce que ça peut totalement mettre entre guillemets le pouvoir aux mains des clubs et, et ça fait peur parce qu'avant c'était les joueurs. Donc c'était aussi très très chiant parce que les, les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient. Hein. Ils respectaient pas les coachs, ils respectaient pas les managers, ils kickaient n'importe qui avec qui ils s'embrouillaient. Et etc, etc, etc. On connaît tous les mauvais points, tous les mauvais aspects d'avoir le pouvoir aux joueurs. On les connaît parce qu'on est dedans depuis des années. Mais par contre, on ne connaît pas les mauvais aspects du club. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, on va avoir que des joueurs euh, euh, politiquement corrects, très lisses, qui parlent, qui ne bougent plus, qui ne parlent pas, euh, qui vont faire copain-copain avec la structure pour garder leur slot, qui vont cracher dans le dos des coéquipiers à la structure. En mode bonjour président, oui, Malek il a été méchant, ouais, faut le kicker. Tu vois, des trucs un peu comme ça. Euh, parce que là, clairement, c'est ce que en réalité j'ai vu depuis quelques temps dans, dans l'esport. C'est un peu plus comme ça maintenant que ça se déroule. Alors qu'avant, c'était vraiment du copinage joueur-joueur et entre guillemets, ça restait quand même les gros joueurs qui restaient ensemble et par affinité. Là, maintenant, c'est plus que les affinités. Et si t'es pas pote avec le bon gars, que ce soit dans une équipe, ou dans le staff d'un club, la carrière elle est finie. Donc, euh, à voir. Mais clairement, là, c'est juste pour vous montrer un petit peu deux écoles différentes et toutes les problématiques que ça peut engendrer. Encore une fois, j'espère vous, vous amener ma vision des choses, j'espère vous amener un peu de mon expérience aussi, hein, aussi petite soit-elle. Mais euh, voilà, vous donner un petit point de vue comme ça, et j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à vous exprimer dessus, parce que ça, ça m'intéresse de ouf, de voir un petit peu comment le public réagit à ça, comment vous, vous voyez ça de l'extérieur. Parce que vous subissez entre guillemets à chaque fois le, la communication médiatique des clubs, des joueurs. De ouais, on a changé lui, on a changé lui. Et vous, vous comprenez pas. Euh, moi, il y a des choses que je comprends beaucoup plus euh, parce qu'on a. Je suis un peu plus inside. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vos, vos avis là-dessus. Je vous aime. Un petit like, un petit commentaire. On s'abonne. On achète le matos sur mon site internet malaccessgo.fr et on achète ces skins, hein, sur Skin Baron dans la description pour toucher la petite commission qui me met bien.